Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, mises sur la table avec un invité, nous en débattons. L'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a ouvert le bal avec la société civile, la presse et les hommes politiques. Jean-Pierre Bemba est passé. Moïse Katumbi Tshiapoué a fait les déplacements pour rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle perspective? Que faut-il attendre de ces négociations? Nous parlerons de ça. On parlera également de ces rapprochements entre d'un côté une partie de la Mouka et une autre qui refuse. Un invité spécial dans cette émission, un habitué que nous avons l'habitude de rencontrer, c'est Mike Mokeba Nkosso. Honorable Mike, bonjour. Bonjour, Père Louara. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, Mike Mokeba. Vous allez bien, sinon? Ouais, pour être malmené, merci. Malmené, Mike Mokeba. Attendez, vous ne vous connaissez pas ou quoi? En victime expiatoire. Non. Mike, c'est un combattant, c'est un boxeur. Ça se passe bien à l'Assemblée provinciale, pas des plénières apparemment. Là, vous êtes vraiment entré des tailles bavettes. Très mal. Samedi ou dimanche prochain, nous serons à 45 jours sans plénière. Donc, depuis l'ouverture de la session le 30 septembre, il y a eu une seule plénière, celle relative à l'adoption du calendrier. Donc, je la considère comme une plénière protocolaire. Donc, 45 jours le week-end prochain, nos moitiés sessions sans travailler, par la faute d'un homme appelé Jean-Tini Mobila. Il ne paye pas les députés, ça fait 4-5 mois. Non, mais c'est pas seulement un problème d'Ngobila, c'est à travers toute la République. Attendez, je sais que vous voyez une haine viscérale à Ngobila, mais vous ne pouvez pas lui faire porter les chapeaux. Je n'ai pas de haine viscérale à vouer à Ngobila, parce que je n'ai pas de problème personnel avec lui. Les députés ne sont pas payés, nous n'avons même pas de moyens pour entreprendre des travaux en cours. Non, mais c'est une situation générale. Laisse-moi. Je veux bien que vous vous plaignez. Allez-y, mais je ne veux pas que Ngobila porte les chapeaux de quelque chose pour lequel il n'est pas responsable. La possibilité, les moyens de travailler au niveau des commissions. Les commissions ad hoc créées sur des questions particulières. Nous n'avons pas de moyens pour travailler. Une commission est mise en place, deux semaines après, vous tournez en rond, vous tournez les pouces à attendre 1 million, 2 millions de francs pour travailler, et ça ne vient toujours pas par la faute de Jean-Tini Ngobila. Il n'y a pas de moyens. Ok, vous me dites, c'est une situation générale. D'accord. Mais moi, je vous donne les chiffres. Moi, je vous parle de la gestion de la ville de Kinshasa. Taux de recouvrement de la plupart des impôts et taxes. Kinshasa vit essentiellement des impôts et taxes. Taux de recouvrement, c'est 10 et 20%. 10 et 20%. Je prends... Donc c'est un gouverneur paresseux qui n'arrive pas à... Qui se contente de ce qui entre parce qu'il sait ce qu'il en fait, lui. Le reste, aller plus loin, augmenter la recette, ce n'est pas son ambition. Un exemple, vignette, taxe vignette. Le taux de recouvrement taxe vignette de 2019 était en deçà de celui de 2018, pendant que les véhicules ont augmenté en nombre dans la ville de Kinshasa. Ils sont passés de 400 000 pour aller vers les 500 000. Voiture. 2018, le taux de recouvrement était entre 8 et 9%, ce qui est déjà très grave, mais 2019, en deçà, 6 et 7%. Vous avez suivi l'interview sur Top Congo d'une certaine Rita Bola qui a géré la DGRK. Elle l'a dit. Ça, c'était 2019. Nous n'avions pas connu une quelconque crise sanitaire appelée coronavirus. Nous étions déjà à ce niveau-là. Ça, c'est très grave. Allez-y voir les niveaux de coulage des recettes dans les régies financières. Allez-y voir dans les ports. Allez-y voir à Mongata Beach. Non, on ne paye pas sur base des relevés des GRK. On paye sur base des documents que des gens établissent et mettent dans leur poche.
Là, vous dites que la vous ville, laissé la, ville têtes, hein, la ville, la plupart d'entre eux. Je suis en train. Ça, c'est, pour préparer. Tout a été hypothéqué. Ça, c'est pour préparer les Quinois à accepter son échec. Vous arrivez, vous êtes gestionnaire. Nous le savons tous que 2019, il y a eu une grande plénière. L'ex-ministre provincial des Finances, Matondo, a été interpellé pour cause des dettes. Et aujourd'hui, il est emprisonné. 2020, vous êtes gouverneur, vous ne venez pas nous ressasser les dettes. Vous dites aux Quinois combien vous avez payé et combien reste à payer. C'est ça la gestion. Et comme il n'en est pas capable, il vient pleurnicher. Mais quelle est sa gestion à lui-même? Le niveau de coulage des recettes. Très grave, je vous dis. Très, très grave. Partout. La ville n'est pas gérée. J'ai remarqué. J'ai fait partie de deux commissions d'enquête. Une commission d'enquête sur la morgue centrale de Kinshasa, celle du fonds de Mamayemo, et une autre commission sur... pas la morgue que Kimbuta a créée ou... Non, non, pas celle-là. On parle de la morgue générale. Qui est très mal entretenue d'ailleurs, celle que Kimbuta a créée. Celle-là, c'est la morgue de l'hôpital Mamayemo. Celle-là aussi, elle est très, très mal entretenue. Très mal, c'est très, catastrophique très, là-bas. C'est plus ou moins celle de Kinshasa, plus ou moins bien entretenue. Plus ou moins. Il y a à redire, mais plus ou moins bien entretenue. Je fais partie d'une autre commission, une commission qui a enquêté sur la DPS, la Direction Provinciale de la Santé, les zones de santé. Et c'est, excusez-moi, le terme, il est peut-être inapproprié, mais comme le passe, c'est un bordel. C'est un bordel. Des affectations à l'emporte-pièce, des parents, des cousins, des neveux. Vous trouvez un petit bureau comme ça, où vous avez 25 médecins affectés. Et ils sont là à ne rien faire. Parce que c'est des cousins du ministre, de la ministre, du gouverneur. C'est ça la ville de Kinshasa. Où allons-nous? D'ailleurs, je vais te dire une chose. C'est ce que je suis en train de préparer. Je vais voir le président. J'ai parlé à mes collègues députés provinciaux. Certains hier. Vous parlez quel président? Le Godin Pris, pour discuter. Ouais. J'ai parlé à certains de mes collègues. Je n'accepterai pas de porter cet échec collectif. Je prendrai mes responsabilités devant les Quinois et devant les Congolais. Je ne porterai pas cet échec collectif vers lequel nous allons. Je ne le porterai pas. Je prendrai mes responsabilités. Après, on me dira que voilà, il ne vient pas poser ses problèmes ici à l'Assemblée. C'est la question que j'allais dire. Non. Vous avez une tribune. Vous n'êtes pas ici sur le plateau de télé. Vous dites que j'ai une tribune. Ça fait 45 jours jusque samedi prochain que cette tribune est ouverte, mais fermée. Ben non, j'attends la prochaine plénière. Je dirai ça à mes collègues. Je prendrai mes responsabilités. Je ne partagerai pas cet échec collectif vers lequel nous tendons. Je ne le partagerai pas. Mais organiser une plénière, ce n'est pas une question d'argent. Hein. Je vais vous aussi, vous exigez un peu trop. On vous a voté pour sentir ce que nous nous sentons. Pour aller parler là-bas, la plénière, il faut qu'on donne de l'argent, Mike Moukebaye. L'Assemblée provinciale de Kinshasa manque jusqu'au petit sou pour acheter du chlore et pouvoir faire tourner les safe gates, le portique de sécurité anti-corona qui est là. Les portiques marchent, mais il n'y a pas du chlore là-dedans. C'est 20 000 francs, hein, les kilos. On n'a pas cet argent. Soins de santé, n'en parlons pas. Si je tombe malade là aujourd'hui, je dois appeler des gens pour m'endetter. C'est ça les députés que je suis. Je te l'ai dit, je t'ai dit vrai. Je vais appeler des gens, j'irai à l'Assemblée, l'Assemblée va me demander d'attendre, et pour ne pas mourir, je vais m'endetter pour rembourser à un taux usurier, 50% de bénéfice, pour le prêteur. Voilà comment vit le député de Kinshasa. C'est ça la réalité. Bah, c'est une situation générale, Mike Moukebaye. Je vous dis, situation, oui, je n'aime pas beaucoup en parler, parce que mes compatriotes, ceux qui m'ont élu, vivent une situation pire. Mais j'en parle pour qu'ils soient informés. Je suis porteur d'un mandat, ils doivent savoir ce qui se passe. Merci de l'information, parce que quand on va TPO, on TPO, quand même générale, 8 200 dollars, alors qu'un fonctionnaire, lui, a mis à 140 ou 200 000 francs, Mike Moukebaye, seulement parce qu'il a été élu, à la fin, quand on TPO, tu auras 8 200 dollars, c'est quand même énorme, ça. Ce n'est pas moi qui ai fixé ce salaire-là. Mais tu ne refuses pas, tu vas le prendre. Écoutez, parce que tous le prennent, vous voulez que quoi, que moi je crache dessus? Tous le prennent. Le jour où il sera décidé, la réduction du train de vie des institutions... Et comme on dira, Mike, tu vas toucher 4 000. J'irai toucher 4 000 dollars. J'ai toujours fait un plaidoyer pour la réduction du temps de vie des institutions qui passe par la diminution de nos salaires. Je l'ai toujours dit ici.
je l'assume, je suis prêt à l'accepter. Avec 4000 dollars, ça sera moins, mais je pourrais vivre. Mike, avec cette manière de faire à l'Assemblée, vous regrettez d'avoir été, je sais pas moi, d'être député provincial aujourd'hui, travailler dans ce contexte-là? Aujourd'hui, je suis en train de demander... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Que mes électeurs m'excusent. Je suis en train de demander à quoi je sers. Qu'est-ce que je vais dire à mes électeurs en 2023? C'est très grave. J'étais là hier. C'est quand vous y allez, c'est comme si vous allez à deux obsèques, à commencer par le personnel, impayé depuis plusieurs mois. Et quand vous êtes en commission, vous devez travailler, on vous adjoint des experts. Ces experts-là qui arrivent, ce sont des agents de l'administration de l'Assemblée. Ils ne sont pas payés depuis 8 mois, depuis 10 mois. Comment je vais travailler avec un type démotivé à ce point? Dis-moi. Et sur le coup, sur le travail de la commission n'a pas le moyen de lui donner 10 dollars pour lui assurer un casse-croûte. Il va arriver là à 8 heures pour travailler jusqu'à 16 heures. Pas le moyen de le retourner chez lui pour qu'il ait un transport décent. Qu'est-ce que je suis comme député provincial? Ça sert à quoi? Je me pose la question. Ça sert à quoi? J'ai honte de moi. Vous avez deux, trois experts dans chaque commission. Deux, trois experts. Et je vous dis, c'est en fait eux qui font le grand boulot. Nous, on vient mettre la touche politique. Et quand ils sont démotivés, ça sert à quoi? Ben, moi-même, là, j'ai plus d'autorité pour lui demander, monsieur, faites-moi ce boulot. Je me sens gêné. Je sais qu'il n'est pas payé depuis 2 mois. Je sais que le matin, il est venu à pied. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que vous êtes dans une assemblée provinciale. Quand vous terminez le boulot, quand il y a plénière, vous quittez les sièges, vous voyez 1, 2, 3, 4 agents, vous venir vous dire Nazangi Mbongo transport. Honorable Sougaga. Et c'est vrai. Vous vous rendez compte? Et vous attendez quel résultat? Et pour vous, le responsable numéro 1, c'est Jatini Ngobila, donc il n'a pas sa place là où il est. Mon cher ami, appelez Jatini Ngobila. Des questions sur la ville de Kinshasa. N'attendez pas que Jantini convoque des journalistes. Je sais comment ça se passe. Monnayage en amont, questions complaisantes pour faire l'image du gouverneur. Appelez-les. Il a des comptes à rendre au Kino. Moins que nous autres, peut-être parce qu'il s'est dit qu'il sait comment il a fait pour devenir gouverneur, qu'il n'a pas besoin d'aller vers les électeurs. Il va attendre que des bêtes des sommes, des bêtes des traits, ah, il s'est fait relire pour que eux viennent les lire au second degré. Appelez-le au téléphone, posez-lui des questions. Dites-lui l'opération Kinboupeto, c'est quoi? Posez-lui la question. C'est quoi le contenu? Où il en est aujourd'hui? Posez-lui les questions. Dites-lui DGRK, de posez-lui la question. C'est quoi Hologramme, cette société qui collecte des taxes alors que l'exclusivité de la collecte est attribuée à la DGRK? Posez-lui la question. Vignette. Quelle est la société qui a collecté la vignette l'année passée? Autojuste. Ça vient d'où? Cette année, j'attends qu'il vienne nous dire qui a collecté la vignette. Posez-lui ces questions. Il ne vous répondra pas. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça en interaction avec les journalistes? Sauf quand il sait qu'il veut communiquer, question d'image. Des journalistes surconvenus en amont. Traité en amont et qui viennent là s'asseoir pour compléter les deux corps. Mike Mukibayi est donc avec nous. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mike, je voulais qu'on parle un peu des consultations, mais bon, je m'en voudrais si je n'ouvre pas cette parenthèse avec vous. Finalement, vous avez intégré l'UDPS. On a vu une vidéo de vous en train de circuler ici à Kinshasa où vous reconnaissez avoir compris beaucoup de choses, où vous chantez pratiquement Félix, vous l'appelez Félix Beto. Qu'est-ce qui se passe? Je vais y aller, calmement. Je n'ai pas intégré l'UDPS et je n'intégrerai pas l'UDPS. Je suis membre d'un parti où je me sens très bien, Ensemble pour la République. Je n'ai pas pris des cas de membre pour ne pas m'exposer au risque de perdre mon mandat. J'ai été élu à AD. AD a fusionné avec d'autres partis pour former Ensemble pour la République. Donc, je suis avec Moïse Katumbi. Ça, c'est clair, ça ne se discute pas. J'ai été élu sous les couleurs de Katumbi. Je suis katumbiste, je m'assume en tant que tel. Pour le moment. Nous sommes... Non. Non, on vous connaît, hein, avec vous. Il faut toujours faire attention avec Moukeba. Bon, ok. Alors, ce que vous ne savez peut-être pour pas... Pour le moment, oui. Ce que vous ne savez peut-être pas, mes liens personnels
pas au jour d'aujourd'hui en tant que cadre d'ensemble pour la République, sans avoir pris la carte de membre, mais le lien avec Katumbi remonte à 2012, donc des années. Les liens, on sait. Et ils n'ont pas pris un pli. On sait que vous avez toujours eu des liens avec les gens et on sait comment ça se termine avec le Québec. J'ai pas envie de mettre le couteau dans la plaie aujourd'hui. Parlons autre chose. Mais ne vous vantez pas parce qu'on sait comment. Terminez vos bandes, terminez vos soucis, ça n'a pas relation. Je vous répondrai. Allons à l'essentiel. Je vais revenir sur cette. Non, c'est pas une question, c'est un constat. Cette digression. Je vais revenir sur ce constat. Je parlais de la vidéo qui a circulé. Je n'ai pas intégré l'UDPS. J'ai été très dur envers Félix et je m'assume. Il le fallait en ce moment-là. Il y a eu certaines décisions, il y a eu certaines initiatives par Félix qui m'ont fait perdre le nord. Je me suis posé la question où il allait. Par exemple, quand Félix se réveille, se lève un matin, prend son avion, il arrive à Bruxelles, il demande la levée des sanctions. Je dis où il va. Je fais partie de ceux qui ont pensé mettre la pression pour Félix. Pour qu'ils comprennent l'intérêt du coup. De manière très désobligeante, comme tu sais le faire là. Tant mieux, je l'ai fait, je m'assume. Je ne reviens pas ici pour faire le procès du passé, pleurer ou applaudir. Pour moi, j'ai dit, je m'assume. Il y en a d'autres qui, dès le début, ont pensé qu'il fallait appuyer Félix. Principalement, mon propre président. Depuis le début. Il a même proposé à ses collègues de la Mouka de les amener. Voilà. Toutes ces influences. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui étaient d'accord, la base elle-même qui plusieurs fois de l'UDPS s'est dressée contre les dirigeants de l'UDPS, a fait qu'un matin Félix nous a surpris. Au moment où nous nous attendions le mois, il a posé des actes clairs. Il nous a envoyé un message, il dit, ta question, je ne laisserai pas à Kabila un boulevard. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. J'ai les rallies. Et je l'ai dit ici, alliés parallèles. Mais mon président Katumbi, le chairman, a fait plus. Allié parallèle, il a dit, nous allons avec lui et nous allons le soutenir. Je me suis aligné sur la position de mon parti, donc j'ai dépassé les caps d'allié parallèle. C'est plus un ennemi, c'est maintenant un allié. C'est un allié, tout court, dans le cadre de consultation. Nous avons commencé. Et il s'est fait que je rentre chez moi, je trouve des gens de l'UDPS venus me témoigner la sympathie. Je le reçois gentiment. Nous partageons le même souci, celui de faire reculer le Kabila pour avoir des élections transparentes en 2023. Il m'accueille, nous nous mettons à chanter. Et il y a des slogans, Fatih ben, où est le problème? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai donc dit... Vous, Félix, est devenu Fatih Béton. Vous pouvez le dire aujourd'hui. Ah oui, Béton, parce que là, il a apporté la preuve. Affaire Ronsard, cours constitutionnel, l'arrivée de Katumbi en elle-même est une victoire éclatante, mon cher ami. Je fais quand même partie du cercle, je suis informé. Kabila avait juré que Katumbi ne mettra jamais le pied à Kinshasa. Vous savez qu'il n'est pas venu aux obsèques de Tshisekedi. Suite à des menaces reçues de Kinshasa. Et là, il est venu. Félix nous a aidés à progresser. Autant, dans une certaine mesure, nous l'avons aidé. Et puis, il y a tous les procès maintenant autour. Moukébaï a compris. Ceux qui veulent que je chante, que j'ai compris, j'ai dit oui. Mais ceux qui sont objectifs, qui disent que Félix aussi a compris, j'ai dit, tant mieux. Le plus important pour moi, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas qu'on me mette des galons ou qu'on me dégrade. Le plus important, c'est de réussir ensemble. Et nous avons décidé là d'accompagner Félix. Non, mais c'est le plus important. Le plus important, c'est... Je vais y aller. Non, ça, c'est des pics que j'aime. Ça, c'est pas Perrault. Ça, c'est j'entends ça de tout le monde. Donc, ben, il est ainsi. Il commence bien. Et le lendemain, il devient désagréable. Il a toujours été ainsi. Mais il faut y aller tout doux, mais pour cette question, Moukébaï a été désagréable avec qui et à propos de quoi? Moukébaï, un matin, se réveille, dit, la Mouka, c'est l'espoir de tout un peuple. Je m'aligne dans la Mouka. Au point même de mettre en péril mes relations au sein de mon parti et avec le président de mon parti. Quand le président de mon parti nous dit clairement qui fait l'opposition républicaine et qui faille soutenir Félix, moi j'ai dit non, je reste dans la ligne dure de la Mouka. Je soutiens cette ligne. À un moment donné, j'entre en contradiction, gravement. J'ai fait une déclaration publique. Le jour où Pierre Lumbi perd son âme, le brave,
beaucoup de respect pour lui. Je lui tire mon chapeau. J'étais l'un de ses confidents, les gens ne le savent peut-être pas. On a fait énormément de choses ensemble. Et je l'ai toujours dit, toutes les conférences de presse clandestines du CLT, c'est moi au Québec qui les organisais. Là, je me suis brouillé avec personne. Hein? C'est moi qui les organise, avec un petit groupe de journalistes, secrètement, sous la responsabilité de Pierre Lumbi. Passons, parenthèse. Pierre Lumbi dit que nous tournons la page Vérité des Zones. Je prends position contre Pierre Lumbi. Je dis, je quitte Ensemble. À l'époque, Ensemble pour le changement. Comme Katumbi est démocrate, le lendemain, il me fait appeler par Salomon, je discute avec lui. Il me dit, Moukébaï, je ne suis pour rien dans cette position. Réglez ce problème-là chez vous là-bas à Kinshasa. J'ai dit, ok, président, entendu, je reviens dans le rang. Donc je prends des risques. Ça, personne ne voit. Ça, personne ne voit l'argent des Katumbi. Rien, rien. Ça, personne ne voit la loyauté envers la Mouka, rien. Un matin, je suis chaud. Après avoir porté longtemps un document appelé plan de sortie de crise. Quand ce document est mis sur la place publique, nous sommes l'objet des attaques de partout. Nous avons travaillé pour affecter, pour vendre ces documents à l'opinion congolaise. Et au moment où ce document est quasi accepté, et que beaucoup de Congolais, même Félix, poussent un peu pour le dialogue, avec le forum de Bétanie, avec les 13 de ce côté-ci, qui portent leur réforme aussi à eux, un matin, je suis chez moi, Fayoum qui revient d'un voyage, puisque je suis moi un soldat de rang, que je ne peux pas être consulté, tout conseiller spécial en charge de communication que je suis. Fayoum se réveille un matin, il reçoit un type patenté proche du FCC, Théodore Ngoï, il le reçoit chez lui, et à la sortie, il fait une déclaration, risque de destitution. Sans avoir consulté personne, même pas ses pairs de la coordination. Même pas ses pairs. Et les gens s'attendent à ce que Moukébaï dise oui. Je porte la contradiction sur la place publique. Devant témoins, devant les Congolais. En fait, Fayoulou a déjà fait une déclaration. Ne me demandez pas, moi, aller lui poser la question à l'oreille pour qu'il me réponde de manière confidentielle et qu'ici, demain, ça peut être à conséquence. Et moi, je dirais quoi aux Congolais? Non. Il a pris ses responsabilités. Je prends les miennes. Je ne l'ai pas insulté. J'ai fait deux émissions ce matin-là. Pour dire, je m'oppose. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ouvrir la porte à Kabila. Et c'est très grave. Je ne prêterai jamais mon dos à Kabila pour qu'il monte dessus et fasse la courte échelle. Pas par moi. Si Fayoulou le fait, c'est lui. C'est tout ce que j'ai dit. Je suis rentré chez moi tranquille. Ma femme m'a préparé mon bon foufou et pondou. Et Ndakala, j'ai mangé. C'était un mardi. L'après-midi, des attaques de partout, les gens commencent à m'appeler. On me prend des gens, certains qui parlent à peine français, ils parlent français approximatif, même si c'est mis les traits. Excuse-moi. Ils se mettent à m'attaquer. Ils m'attaquent mardi. Ils m'attaquent mercredi. Il m'attaque jeudi, jamais été, trois jours durant. Femme, là, c'est pitbull. Même une femme s'est mis des traits là. Je n'ai jamais entendu faire un débat en français un jour. Je ne dis pas que le français, c'est la langue de connaissance. On peut avoir aussi des connaissances en égal. Mais en tout cas, je n'ai jamais entendu faire un débat en français. Jamais. Et on va jusqu'à dire que je voulais déboucher les communicateurs. Moi, je ne peux pas déboucher ces gens. Je vais les déboucher pour quelle qualité? Pour quelle qualité vais-je les déboucher? Hein? Ben alors, je suis victime des attaques, comme ça. Hein? Et vous réagissez de la manière dont vous faites. Trois jours de suite, et l'opinion le voit. L'opinion suit. On ne fait pas l'histoire sur ça, Mike Moukébaï, quand même. Et je décide, un matin, parce que je ne suis pas une femme, non plus une femme lettre. Quand je dis une femme, ce n'est pas que je dénigre la femme. Je le dis un peu dans la compréhension bantou. Une femme, c'est celle sur qui on tape et qui dit « Ah, Okopomangaye, mon père. » Non, je suis un homme, bien né, normalement né, entier. J'ai répondu et je ne le regrette pas. C'est ça? Si vous refaire, tu refais. Si il faut le refaire, je le referai. Avec des insultes et tout ce qui est accompagné. Ah ben tu as cherché les insultes, elles étaient où? Les casses avec Daniel Safa. Je reviens sur l'image pour qu'on parle un peu de consultation. Mais ces images-là, Mike Moukébaï, scandalisent un peu les gens.
j'ai un téléphone qui sonne, je vais demander à mes réalisateurs de les récupérer. Ces images-là de vous en train de danser, de croquer dans une pomme en disant que c'est Kabila, enlève un peu la stature d'homme d'État que vous devrez dégager. Aujourd'hui, Moukébaï, vous avez désacralisé les fonctions étatiques. On vous classe dans le rang des Moukébaï, les Daniel et Safou, on les voit pieds nus, en train de crier. Être un homme d'État, la tenue Moukébaï, ça ne représente plus rien pour vous. Vous voir en train de danser comme vous dansez, en train de crier. De l'autre côté, vous avez un Daniel Safou pieds nus. On n'a plus d'homme d'État. Nous sommes partis du parlement de Kanza, de Liaou, pour avoir le parlement de Safou et de Moukébaï. Vous avez un problème. Vous m'avez vu danser à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous dites que vous avez vu le parlement de Liaou. Est-ce que j'ai dansé à l'Assemblée provinciale? Donc la tenue pour vous, c'est seulement quand vous êtes à l'Assemblée. Je vais vous dire une chose. Un homme d'État, doit l'accompagner par privé. Je vais vous dire une chose. Homme d'État, j'ai dit oui. J'assume ce statut-là. Quand je suis à l'Assemblée provinciale. Mais j'ai plusieurs statuts. Et selon les circonstances, quand je suis dans la rue, à l'aéroport, monsieur, ce n'est pas le député qui est là. C'est le combattant de la liberté qui est là. Je danse avec mon peuple. Mon peuple danse avec moi. Ça fait partie du rituel de vitalisation. Vous l'avez vu en Afrique du Sud, chez les Zoulous. C'est des chefs d'État. Vous avez vu la première ministre britannique, l'ex-premier ministre britannique, comment elle s'appelle? L'ex-premier ministre, c'est celle qui était là, avant Boris. Oh, comment elle s'appelle? La dame Lamès, ok. Mais un jour, elle a dansé au Parlement, elle est entrée. Pendant qu'il y avait le preuve de force entre le Parlement britannique et l'Europe. Elle a obtenu un jour une victoire sur, je crois, une décision qu'elle devait faire passer. L'opinion lui était favorable. Elle a fait un pas de twist en plein Parlement. C'est son circonstance, je danse où? Donc vous assumez non, l'image que vous dégagez qui fait regretter beaucoup de gens. Attendez, si les gens ne les comprennent pas, je suis désolé. À l'Assemblée provinciale, j'y vais en costume cravate pour prendre la parole. Règlement intérieur oblige. Quand je suis chez moi, dans mon jardin, je me mets en culotte. Tu ne vas pas me demander dans mon jardin d'être en costume cravate? Ah non. Alors, si tu viens pendant que je suis dans mon jardin en culotte, que tu me prends en photo, que c'est publié, où est le problème? Là, quand je suis en Passa, quand je suis à Bitabé, je suis le combattant qui se fond et se confond avec son peuple. Je ne suis pas différent d'eux en ce moment-là. Ils dansent, je danse avec eux. C'est cela. Ils pleurent, je pleure avec eux. Je ne l'ai pas fait à l'Assemblée pour me dire le Parlement de Liaou. Quand je vais à l'Assemblée provinciale, c'est les Moukébaï députés. Mais écoutez, ça peut m'arriver de danser, non? S'il y a fête d'anniversaire chez moi, je peux esquisser un petit pas de danse, non? Peut-être pas me déhancher comme un Ouéra, mais je peux, non? Et à ce moment-là, je suis plus homme d'État. Oh, qui s'appelle Sosoni. Ben non. Beaucoup qui s'appelle Massoni. Si, attendez. La tenue, Mike Moukébaï. J'ai dit ceci. Certaines fonctions. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je l'ai bien expliqué. Ces circonstances-là sont comme des plateaux. Pour moi. Ici, je suis venu quasiment aujourd'hui en chemise. Ça m'arrive de venir en costume cravate, avec un képi. Si Félix me demandait de le voir, je n'irai pas dans cette tenue. C'est clair. Mais est-ce que je suis nu ici? Je ne suis pas nu, mais ça, ce n'est pas la tenue appropriée pour aller voir un chef d'État. Je peux me permettre cette tenue à la télé. Je suis dans la rue, avec des manifestants. Vous voulez que je me que je sois droit debout, dans mes bottes, comme ça. Là. Non, je suis comme eux. Je partage le même sentiment qu'eux. Je danse avec eux. Ça fait partie du combat. Donc vous assumez. Je l'assume. Je ne vois rien. Le Parlement à la Mike Moukébaï. Ah non, je n'ai pas fait déplacer le Parlement à Bitabé. Là, je suis manifestant. Je vais vous dire. Le jour où nous avons marché le 13 juillet, il a plu. Je suis arrivé à Kinshasa mouillé. Vous me voyez en train de partir à l'Assemblée sous la pluie à pied et entrer à l'Assemblée provinciale avec un costume mouillé. Mais là, j'étais combattant. J'étais manifestant. Je suis arrivé à Pascal mouillé, trempé. Pourquoi on ne me l'a pas reproché d'être arrivé à la manifestation trempée? Ça aussi, il faut qu'on me le reproche, non? Je suis député, je n'ai pas le droit, non? Ah non, arrêtez. S'il y a des gens qui font le pitre, ne venez pas me comparer à eux. Il y a des circonstances qui font que je me mets à mon peuple, que je me mets au Congolais, que je partage le même sentiment qu'eux. C'est des circonstances particulières. Ce n'est pas tous les jours de la vie.
Je peux me mettre en culotte, jouer au foot. Alors, puisque je suis député, les gens n'ont plus le droit de voir mes jambes. À l'Assemblée, mais sur un terrain de foot, ça passe. Mike, ok, Mike. Ma personne n'est maloba. Madame, messieurs, vous suivez l'émission contre nous, soit dit, ce soir notre invité, c'est l'honorable Mike Moukebaye, député provincial élu de Lingwala ici à Kinshasa. Nous faisons le tour de l'horizon d'horizon politique avec Mike. Mike, j'en viens maintenant à ce pourquoi je vous ai invité ici, la question des consultations. Il a parlé le 23 octobre dernier, il parle des corps de la situation, il parle des difficultés, des divergences, et il dit qu'il lance les consultations pour une union sacrée. Sacrée polémique. Première question, quelle est votre lecture de ces consultations lancées depuis deux semaines par Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, en général? Les consultations, le président Félix les a appelées consultations. Moi, je considère qu'il s'agit d'un moment. Nous sommes fin 2020 et c'est au jour d'aujourd'hui qu'il faut commencer le combat pour faire reculer Kabila et obtenir des élections transparentes en 2023. Ces combats, c'est pour demain. Et quand une opportunité s'offre, comme cette main tendue de Félix. Donc pour vous, la main tendue de Félix, c'est pour repousser Kabila pour obtenir son départ. Clair. Je ne parle pas de son départ. Moi, je parle de son anéantissement en rapport avec le processus électoral. C'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Vous croisez les bras aujourd'hui, vous attendez commencer ce combat-là quand? Laissez-moi y aller. Vous attendez commencer ce combat-là quand? Demain? À quel moment? En 2022? C'est aujourd'hui, pendant que nous avons trois années devant nous. Laisse-moi maintenant, avant d'entrer dans le fond de cette question de consultation, interroger les Congolais, interroger Fayulu. Le fameux plan de sortie de crise. Proposé par Martin Fayulu. Vous prenez le plan de sortie de crise, vous associez les politiques congolais, à commencer par le président Félix. Vous avez des conclusions à la fin du dialogue et vous appliquez ces conclusions directement. Non. Vous devez les amener à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement, soit, pour entérinement. Pour les revêtir de l'étoffe officielle. OK ? Vous y arrivez, c'est la majorité de qui, M. Martin Fayulu ? Arrêtez de tromper le Congolais. Vous y arrivez avec les conclusions à l'issue du dialogue, à partir du plan de sortie des crises. Les conclusions, l'intérimement à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement, c'est avec la majorité de qui? De Kabila. Et vous croyez que Kabila va dire oui à toutes les conclusions du dialogue? Il faut créer un rapport de force. Il faut l'anéantir, c'est ce que vous voulez. Il faut créer, même avec le plan de sortie des crises, à la fin, quand vous aurez obtenu des conclusions, il faudra créer un rapport de force avec Kabila pour appliquer ces conclusions-là. Arrêtez de tromper le Congolais. Je passe mon temps à analyser. Et ce rapport de force, c'est celui que nous commençons à créer aujourd'hui. Nous avons tort, nous avons raison, nous avons pensé que nous commençons ce combat-là aujourd'hui. Et Katumbi a dit, je prête main forte à Félix. Nous disons, oui, nous y allons. C'est ça ce combat. Non, mais les consultations, les avis. Je vais y aller. Laisse-moi poser des questions. Attends. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue de concertation, les Congolais doivent comprendre qu'il y a une dynamique qui est née avec objectif d'anéantir Kabila pour que les élections de 2023 se fassent dans la transparence. Nous ne voulons plus là être là à pleurnicher. Donc, aujourd'hui, nous croisons les bras, nous disons que cette affaire, c'est l'affaire de Félix. Kabila anéantit Félix, après il va nous anéantir, ça soit sûr. Et en 2023, nous allons aux élections, nous revenons vers le Congolais. On nous a volé la victoire. C'est quoi ça? Ça n'est fini, il faut se battre. Et à partir d'aujourd'hui. Donc, pour vous, alors, les consultations n'auront tout leur sens que si au terme de ces consultations, on obtenait un anéantissement de Kabila. Vous voulez nous dire quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est anéantir Kabila? Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Non, mais je vais comprendre. Je ne dis pas que vous... passe les consultations. Je te parle d'un moment qui a permis la mise en place d'une dynamique que nous devons porter. Laquelle? Mais la dynamique que vous voyez quand Katumbi fait le déplacement et il se fait recevoir par le président Félix, quand Bemba fait le déplacement, quand au jour d'aujourd'hui, moi, Moukeba, j'ai dit, je ne suis plus allié parallèle à l'appel de mon chef, j'ai fait un pas de plus, je suis allié derrière mon parti de Félix, nous lui prêtons main forte. C'est une dynamique qui est née et c'est une dynamique qui dépasse les consultations. Certains viennent aux consultations avec des calculs, des partages, des postes, moi je dis tant mieux,
Chacun est libre de faire ses calculs. Mais moi, je vais au-delà des consultations. Au-delà des consultations, c'est-à-dire la dynamique qui vous amène. La dynamique, là, elle est née. Elle est déjà là. Pour amener où? Mais justement, c'est la question que moi, je pose. Demain, nous nous attaquions aux deux enjeux majeurs à conquérir, la loi électorale et la CENI. C'est cela, les deux enjeux majeurs demain. Nous devons aller à la conquête de ces deux enjeux. Ces deux enjeux, la CENI et la loi électorale. Quand ces institutions, quand cette institution CENI sera neutralisée, neutralisée pas, pour la, pas en termes d'anéantissement, mais rendue neutre dans sa composition, nous serons tranquilles. Quand nous aurons une loi électorale impersonnelle, qui n'est pas taillée sur mesure, là nous serons tranquilles. Ça, les deux enjeux majeurs. Donc les consultations au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, ce n'est pas mon grand souci. Je suis au-delà des consultations. Je suis là en train de voir CAP 2023. C'est cela, c'est que nous préparons. Mark Moukebaye, vous allez consulter Félix Antoine Tshisekedi. Kabila dit que c'est un terme hors constitution, parce que le président, d'ailleurs, c'est les consultations qu'il a appelées de manière verbale, il n'y a pas une ordonnance qui appelle aux consultations, et le FCC estime que c'est une violation de la loi. Vous dites que ces consultations doivent amener à la réforme de la CENI et de la loi électorale, par-dessus tout, à l'affaiblissement et à l'anéantissement de Kabila, mais là aussi, c'est violer la Constitution. Vous allez anéantir Kabila qui obtient, qui a une majorité absolue au Parlement et au Sénat, en faisant quoi? En débauchant les méthodes anciennes que vous avez condamnées, que vous avez décriées, vous voulez les appuyer aujourd'hui, Mathieu Kabila? J'entends parler de cette affaire de débauchage, ça ne me régale pas. S'il y en a qui entreprennent cette opération-là, moi, ça ne me gêne pas beaucoup, mais je n'en fais pas partie. Si l'objectif est pour le bien commun, j'ai dit, je bénirai sans y participer. L'objectif de quoi? Du débauchage? Oui, si c'est pour le bien. Vous appliquerez votre théorie de l'éthique du mal. Oui, oui, voilà, merci. Faisons mal à Kabila, mais il y a l'éthique à l'état. Comme ce qu'il appelle, ce que Félix appelle, ce qu'il dit, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Nous sommes dans cette... Donc vous comprenez les débauchages? Nous sommes... Des députés de Kabila. Je n'y participerai pas, j'applaudirai à la fin. J'applaudirai. Nous devons sauver le Congo. Aujourd'hui, maintenant, de l'axe du mal. Et l'axe du mal, pour vous, c'est Kabila, c'est l'OFCC. Mais oui. Mais oui. Nous devons sauver le Congo aujourd'hui. C'est comme ça que je ne suis pas critique envers Fayoulou. J'ai dit, ok, contrairement à lui, qui montre de l'intolérance envers les autres leaders de la Mouka, je constate que depuis un certain temps, et Katumbi, Bemba sont attaqués par des gens connus dans cette ville comme... de profanel. Cette intolérance est inacceptable. Si nous nous taisons, ce n'est pas par faiblesse qu'il s'agit. Si nous décidons de répondre, ça va saigner. Je crois qu'il est grand temps. Ça, c'est un avertissement. Ça va saigner dans la ville. Voyez-vous, hein? Après, vous dire que Moukebaye, ça va saigner, je préviens, ça va saigner. Je t'ai dit, ça va saigner. Ah, ok, d'accord. Ça va, c'est bon. Alors, je lui dis à lui, Fayoulou, ce qui est important maintenant, là, c'est que où que vous vous trouviez, dans quelle position que ce soit, consultation ou pas consultation, dressez-vous contre Kabila. Mais je suis en train de craindre que finalement, qu'il y ait un rapprochement sans être déclaré officiellement. Entre qui et qui? Mais entre Kingakat et Fadel, je le crains. Entre Fayoulou et Kabila, je constate maintenant que le discours se rapproche entre les deux. Pendant que Félix pose des actes pour montrer clairement qu'il n'ouvre pas la porte à Kabila, vous avez des profadèles qui sont à la télévision tous les jours pour dire Kabila et Félix, Motomoko. Comment on dit ça? Hier, il était le pantin, il était l'effet placebo. Mais quand il reçoit un peu de vitalisation, il se met un peu à s'émanciper. Ah non! Il y a des gens qui ont du mal à comprendre l'évolution de la politique. Il fallait que Félix se maintienne dans cette position-là pour graisser la cible. Le fait qu'il s'émancipe met beaucoup en difficulté. Parce qu'en fait, ils n'ont plus de discours. Moi, j'ai un discours. J'étais pas de 2023. C'est ce que nous envisageons. Et les autres? Qu'est-ce qu'ils envisagent? Je t'ai dit ici que oui, pas de sortie de crise. Mais à la fin, s'il n'y a pas de rapport de force, comment vous appliquez les conclusions du dialogue? Posez la question à Fayoulou. Mais s'il n'y a pas un rapport de force que vous créez dans la rue,
pour renverser, pas forcément cette majorité, mais l'équilibre au sein de cette assemblée, vous faites passer les conclusions du plan de sortie des crises comment? Vous appelez les gens à Faden House et puis après ils applaudissent et vous appliquez. Arrêtons de commenter aux Congolais. Non mais Mike Moukébaï, parlons un peu de Fayoulou parce que vous m'amenez sur ce terrain-là. Fayoulou vous dit tout simplement que Félix ne peut pas aujourd'hui prétendre être la solution alors que c'est lui le problème. Nous en sommes quand même arrivés là selon Fayoulou parce que l'élection a été volée. Il dit avoir gagné 62%, c'est un combat que vous avez porté. Si Félix n'avait pas prêté les flancs à Kabila en lui donnant des béquilles, nous n'en serons pas aujourd'hui. On ne peut quand même pas béatifier quelqu'un qui est au départ le problème. Fayoulou a raison d'être aussi réticent à Félix. Quand est-ce qu'il a quitté le statut du diable pour être les saints que vous vénérez aujourd'hui? Nous n'avons pas la même approche, et c'est clair, et c'est démocratique. Nous estimons que Félix, au départ, a posé un acte que nous n'avons jamais encouragé, que nous avons décrié, mais nous n'en sommes pas là à faire le procès du passé. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, que vous pouvez passer. Oh oui. Au jour d'aujourd'hui, il a posé des actes qui montre clairement qui s'émancipe, qui montre clairement qu'il met l'intérêt du Congo au-dessus de la coalition. Et nous appuyons cela. Le plus important, c'est des résultats que nous amènerons au bout. Fayoulou doit arrêter ce combat sur la vérité des urnes. Non, c'est ça. Allez voir la mettre en jeu de Félix. Ce combat à lui, en 2011, Étienne Tshisekedi a mené un combat de même nature qu'il a appelé Imperium. Et il avait demandé aux députés de ne pas aller siéger, des députés nationaux. Fayoulou était allé siéger. Et tu sais qu'il a mené son combat jusqu'au bout. Il n'a pas fait aboutir hein, pendant les 5 années. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, il faut comprendre ça. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas être surpris. Il nous reste une année, à partir de fin 2021, tout le monde aura les yeux tournés vers les élections. Il n'y aura plus de gens pour crier à tel ou tel autre slogan. Et nous nous préparons déjà à cette perspective-là. Donc, Fayoulou fait une grosse erreur selon vous. Non. Moi, je te parle de nous. Nous nous préparons à cette perspective-là. Vous êtes analyste. On analyse avec nous. Nous cherchons à éviter une nouvelle surprise en 2023. Fayoulou, en 2011, il est allé siéger à l'Assemblée nationale contre l'avis d'Étienne Tshisekedi. Il l'a fait. Il s'est assumé. Où est le problème? Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que Félix s'est ressaisi et que c'est une opportunité qui nous est offerte à nous, au fond de changement, pour nous faire reculer Kabila. Fayoulou dit également que vous êtes un peu naïf. Comment vous pouvez aller tomber dans les bras de Félix, tout en sachant que c'est un homme qui n'a jamais respecté tous ses accords? Il signe les accords avec Fayoulou à Genève pour le candidat unique. 24 heures après, il prend votre ancien ami Vital Kamerhe, il se retire. Il signe les accords avec Kamerhe à Nairobi. Aujourd'hui, Kamerhe se retrouve en prison. Il signe les accords avec Kabila. Là, il vous embrigade pour que vous l'aidiez à anéantir Kabila. Qu'est-ce qui vous dit que demain, si vous l'accompagnez, il respectera les engagements qu'il prend aujourd'hui? Fayoulou dit que vous êtes tout simplement naïf. Vous allez dans les bras de quelqu'un qui n'a jamais rien respecté. Je suis très désolé. Si nous devons faire le procès du passé, je crains qu'il n'y ait pas un seul sympa. Non, mais c'est un passé récent, laisse-moi y aller. L'histoire. Je vais répondre. Nous étudions l'histoire pour comprendre le présent et préparer le futur. Je vais répondre à cette question. Mais j'ai dit, si nous devons faire le procès du passé, il n'y a aucun saint parmi nous. En tout cas, pas Martin Fayoulou. Ok. Vous m'avez parlé des 3 accords. Premier accord, Genève. Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Je crois que c'est la dernière fois que je la reçois de vous. J'avais répondu, il y a bien longtemps. J'ai demandé aux Congolais. J'ai posé la question à Martin Fayoulou. Et je n'ai jamais reçu de réponse, ni de lui, ni de ses lieutenants, de ses pitbulls. J'ai dit, qui a trahi les premiers à Genève? Commençons par là. Qui a trahi les premiers? Donc, accord de Genève, la réponse est là. Accord de Nairobi. Qui a trahi? C'est Martin Fayoulou qui a trahi les premiers. S'il te plaît, tu lui poses la question. Non, mais qui a trahi les premiers? Tu le sais. Non, des cadres de spectateurs qui a trahi le chemin. Je l'avais déjà dit ici. Martin Fayoulou. Je t'en prie. Okay. Accord de Nairobi. Il y a l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Vous savez ce que c'est l'éthique de responsabilité? Perrault. L'éthique de responsabilité, c'est que je perds mon père à 8 heures.
Mais à 8h15, je suis spécialiste. Et que un malade a besoin de moi pour être sauvé. Je laisse le corps de mon père à la mort, je vais sauver le malade. L'éthique de responsabilité. Je vais sauver le malade alors que je viens de déposer le corps de mon père à la mort et que je suis en train de... Je vais sauver quelqu'un qui est en vie. Ça, c'est l'éthique de responsabilité. Et il y a l'éthique de conviction. L'éthique de conviction qui dit que mon père s'appelle Adolf Hitler et qu'il a mis en place un plan d'extermination des juifs que je ne partage pas. Et j'ai dit à mon père, papa, c'est vrai, tu es mon géniteur, mais un jour d'aujourd'hui, je ne te reconnais plus et je ne serai plus avec toi. Je prends mon chemin. L'éthique des convictions. Nous allons à Nairobi. Nous nous mettons d'accord, toi et moi. Voilà comment nous allons cheminer. Nous arrivons au pouvoir et au nom de cet accord, l'un des alliés pose des actes contraires à l'intérêt général. Il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. Puisqu'il y a un accord appelé accord de Nairobi. Et que cet accord avait donné un chèque à blanc à certains. C'est cela le Congo que nous voulons construire. J'ai répondu. Troisième et dernier accord. Mais il n'existe pas d'accord. Il a été signé où? Donnez-moi la date de la signature de cet accord. Non, vous pensez qu'il y a une coalition sans accord? Donnez-moi. Félix, c'est autant. Attendez. Kabila est responsable pour aller dans un accord. Cet accord. Pour aller dans une coalition sans accord. Attendez. Cet accord a été négocié où? Pendant combien de jours? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas cet accord-là. Vous ne pouvez pas prendre le destin, le sort de tout un peuple, 5 millions d'habitants, 5 millions de Congolais, et l'enfermer dans un document de 2-3 pages où chaque ligne transpire Kabila, chaque ligne des intérêts de Kabila, d'un groupe d'individus. Vous appelez ça accord? Je ne connais pas cet accord-là. Il a été signé quand? C'était où? Quand vous me parlez des autres accords, vous me citez, accord de Genève. Et accord de Nairobi, c'est l'accord d'où? Parce que c'est si simple de l'appeler accord. Mais dites-moi alors, c'est un accord d'où? C'est un accord de Kingakat? Que Kabila l'applique à Kingakat? C'est simple que ça. Qui l'applique dans son paradis sur terre, qui s'appelle Kingakat? C'est aussi simple que ça. Je ne le connais pas, cet accord-là. Je ne me sens pas concerné par cet accord. Donc vous n'avez pas peur que après-demain. Que vous l'ayez aidé à aller sur Kabila et qu'il vous tourne les dos. Félix, entends-tu ce qu'il dit comme il a tourné aux autres? Je vais vous dire une chose. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a une part de risque. Vous n'entreprenez jamais quelque chose où vous êtes sûr, au début, qu'à 100%, vous y allez et que vous y arriverez. La vie n'est pas linéaire pour partir d'un point A, arriver au point B en ligne droite. Il y a des embûches, il y a des obstacles. Nous sommes prêts à assumer. Si nous échouons, nous revenons vers le Congolais pour dire que nous avons échoué. Si la faute est de Félix, les Congolais le constateront. Si elle est de nous, les Congolais le constateront. Pour l'instant, l'intérêt national, l'intérêt général nous appelle à soutenir Félix. Si nous échouons, ça arrive, nous sommes humains. L'être humain est perfectible, mais je peux vous assurer que nous n'échouerons pas. Parce que nous avons réfléchi et nous savons ce que nous faisons. Les Congolais peuvent garder espoir que cette fois-là, c'est la bombe que nous y arriverons. Nous ne jouerons pas. À ce niveau de responsabilité, nous ne pouvons pas y aller par aventure. Me réveiller un matin, dire ok, non, nous avons évalué la situation. Et là, l'avantage du peuple congolais et nous nous engageons. Sinon, nous ne l'aurons pas fait. Et Kabila n'a qu'à bien s'éteindre. Nous sommes déterminés. Nous irons jusqu'au bout. Et je lui dis aujourd'hui, ce que Moïse prépare ensemble avec Félix, les surprendra. Ah, même toi, ça va te surprendre. Je suis en train de te le dire aujourd'hui. Je ne suis pas attitré, je n'ai pas reçu le mandat de le dire. Mais je le dirai peut-être un jour. Ce qui se prépare surprendra Kabila. Qu'est-ce qui se prépare? Ah, ben alors Kabila le verra. Qu'est-ce qui se prépare? Il va bien se tenir. On attend voir, hein? Les débouchages, ouais. Les députés. Mais je suis en train de m'inscrire dans une perspective. Pierrot veut lui me ramener à la situation d'aujourd'hui. Moi, je dépasse les consultations. Moi, je suis au-delà. Mais les consultations, Félix nous dit que c'est pour créer une union sacrée de la République. Vous donnez quel contenu à cette union sacrée? Pour vous, ça veut dire quoi? En ce qui concerne cette union sacrée, je suis très mal participé pour préjuger de son contenu qui sera en fait défini
pas la synthèse des consultations. Donc, comme mon chef qui a donné sa langue au chat à la sortie, chez les chefs de l'État, sur cette question, je n'ai pas de réponse. La réponse viendra de Félix et nous l'attendons. On dit que ton chef est en train de négocier peut-être un poste de Premier ministre, je ne sais pas moi, d'un informateur. On croit que c'était pour créer une union sacrée, anéantir Kabila, mais beaucoup de ses détracteurs disent que et lui et Jean-Pierre Bemba sont allés plutôt négocier des postes de juteux là-bas. Vous savez qu'il n'est pas demandeur, qu'il est bien tranquille là où il est. Il n'est pas demandeur. Mais parlons politique. Il y a une tentative de renversement de majorité. Je ne l'ai pas encore dit, c'est le moment de le dire. Ce ne sera pas avec des déclarations publiques. Ça ne se fera pas comme Kabila et Néhémie Moulania l'imaginent. Ils sont sur le règlement intérieur. Ils savent qu'ils l'ont verrouillé pour empêcher que la majorité ne bascule. Mais il y a une autre voie. Est-ce qu'ils l'ont vu? Laquelle? Ah, je ne peux pas la divulguer ici. J'ai la garde. Ok? Mais alors, si c'est fait que cette majorité est renversée et qu'une nouvelle se met en place et qu'il faille en ce moment-là recomposer la coalition au niveau gouvernemental, pourquoi Moïse ne participerait pas s'il le décide? Pourquoi Bemba ne participerait pas? Je serais le plus démocratique que de participer à ce gouvernement. Katumbi à la tête d'une soixantaine de députés nationaux. Bemba, je pense, une vingtaine ou près d'une vingtaine. Pourquoi ils ne participeraient pas? Ce serait à eux de lever l'option. À ce stade, moi, je n'ai pas entendu Katumbi dire quelque part qu'il est demandeur. À ce stade, ce qui l'importe, c'est ce que j'ai dit ici, c'est de prêter main forte à Félix. Pour avoir des élections transparentes, nous voulons qu'il n'y ait plus de traces. C'est ça notre objectif. En 2023, plus de traces de Kabila, plus de traces du FCC. Les résidus du FCC qui resteront, parce que nous en avons... C'est des Congolais, il ne faut pas être aussi extrémiste. Ah, je ne l'ai dit pas. Kabila, là, vous me jetez des pierres alors qu'il a quand même travaillé pour ce pays, hein, Maïkoum Kébaï. Attendez, Kabila a laissé le pouvoir, il avait 47 ans. Laisse-moi. Vous avez vu ce que Kondé est en train de faire en Guinée? Vous avez vu ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire? Attendez. Kabila pouvait le faire, il est plus jeune que le deux. Attendez, laisse-moi. Vous n'allez pas nous vendre Kabila comme un homme noir jusqu'à la moelle épinière, quand même. Attendez, je vais répondre. Le FCC, les résidus, nous en aurons besoin. Pour que les résidus fassent l'opposition. Ils vont faire l'opposition en 2023. Parce qu'ils n'ont pas déjà commencé maintenant. Bon, alors, mais écoutez, j'ai l'impression que Kabila nous a fait don de la vie. C'est un type bien. Il pouvait se permettre comme Ouattara. Mon cher ami, il faut voir les éléments endogènes de chaque pays. Ne pensez pas que vous allez prendre la situation de la Côte d'Ivoire et la transposer au Congo. Si Kabila a reculé, ce n'était pas de gaieté de cœur. Des gens sont morts. Nous avons pleuré nos martyrs. Rossi Mukindi, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Amama Tungulu. C'est de haute lutte que nous avons arraché que Kabila recule. Ça n'a pas été un cadeau. Et nous sommes déterminés à poursuivre cette lutte-là. Arrêtez de dire que c'est par la grâce de Kabila. Il n'y a eu aucune grâce. C'est des années de lutte. Et puis vous dites qu'il a aimé le Congo, qu'il a travaillé pendant 18 ans. Ah ben ok. Si vous voulez voir que Kabila aime le Congo, allez-y. Visitez Kinshasa, vous verrez qu'il aime le Congo. Ce qu'il n'a pas pu faire, même un centième pour le Congo, il l'a fait pour lui-même à Kinshasa. Nous n'avons pas ici des espèces au jardin zoologique. Toutes les espèces là-bas sont mortes de faim. Il n'y a rien. Les fauves qui étaient là-bas. Il n'y a rien. Les lions morts de faim et tout ça. Vous n'avez plus que des petits chimpanzés. C'est tout ce qui nous reste ici. Mais la Ziva, c'est que Kabila s'est construit à lui. Les jardins botaniques ici, à côté du marché central. J'y suis allé, j'ai failli pleurer. Il n'y a pas d'eau pour arroser les plantes. Vous savez, quand mes heures perdues, je m'adonne à quoi? Au jardinage chez moi. Je suis un petit expert dans les plantes. Je suis tout le temps au jardin botanique. La première fois que j'y suis arrivé, j'ai fait couler des larmes. Il n'y a pas d'eau pour arroser les plantes. J'ai trouvé des plantes complètement séchées. Les gens m'ont dit il n'y a pas d'eau. Donc en fait, rien que des tuyaux d'arrosage qu'il fallait planter un peu partout, il n'y en a pas. Et là maintenant, si vous y allez, c'est verdoyant. Grâce à quoi? À la pluie. La nature au jour d'aujourd'hui nous aide. La pluie tombe et
c'est verdoyant. Pendant la saison sèche, je suis allé, il n'y avait même pas une plante à prendre pour aller mettre chez moi. C'était sec. Ici, jardin zoologique, sec. C'est un service public si vous ne le savez pas. Ici. Et Kabila, la réhabilité est inaugurée en 2010 pour le laisser à l'abandon. Vous y allez, il y a une plaque qui parle de cette réhabilitation. Mais depuis, les jardins ont été laissés à l'abandon. Pour entretenir ces jardins-là, c'est pas 5 000, 3 000 dollars, 10 000 dollars par mois. C'est pas ça. Le Congo manque 5 000 dollars, 10 000 dollars, la ville de Kinshasa. Et Kabila a un jardin paradisiaque appelé Kingakati qui est verdoyant du début à la fin de l'année. Et vous dites qu'il aime le Congo. Vous dites qu'il aime le Congo. Non, Péro, que tes enfants ne t'entendent pas dire ça. Dis-le-moi à moi. Mais pas que tes enfants t'entendent ça. Ils t'en voudront. Ils t'en voudront. Donc vous ne le reconnaissez même pas pour l'alternance que le pays a eue, hein? Ça n'a pas été un cadeau. Ça n'a pas été un cadeau. Je l'ai dit ici. Kabila nous a sorti des recettes et des recettes. Qu'est-ce qui nous a pas sorti de son chapeau? J'ai eu un combat acharné et j'ai encore une image, et ça c'est l'image culminante, la dernière de ce combat que j'oublierai pas tant que je serai en vie. C'est l'image de Thème Tshisekedi qui revient d'Europe après la mise en place du rassemblement, qui est vieux, affaibli par l'âge et la maladie, qui quitte sa résidence pour un meeting place triomphale, qui a peine pour parler. Il peine. Il prend la parole, c'est une vingtaine de minutes, 25 minutes. Un bon technicien, quand vous y allez, vous coupez la parole, vous vous rendez compte qu'il n'a parlé que pendant 8 minutes. Les 20 minutes, les 17 minutes, c'était tout le temps pour reprendre le souffle. Donc un homme à bout, mais qui vient pour livrer la dernière bataille. Tu dois prendre chaque fois une minute pour reprendre le souffle et parler pendant 10 secondes, 15 secondes. Il dit, je me donne, je me livre pour mon peuple. J'ai encore cette image-là. Puisqu'il fallait se battre, il a dit, je lâche pas, j'y vais. Un autre assureur dirait, j'en ai assez fait. Hein, au jour d'aujourd'hui, ils étaient en fireur. Hier, ils sont assez grands, ils peuvent aller se battre sans moi. Il est venu. Ça peut être un cadeau. Les gens ne comprennent pas la portée de cette image. La symbolique, cette abnégation. L'oubli de soi, c'est donner pour les autres. C'est aussi simple que soi. Hein? On voit, il quitte sa résidence dans une voiture, mais il a 84 ans. 83 ans en ce moment-là. Il sort d'une longue et pénible maladie. Il a droit au repos. Il venait d'arriver, de faire un long voyage 2-3 jours auparavant. Et le 30 juillet, si je ne m'abuse, il est là. Et vous croyez que Kabila nous a donné un cadeau? Il n'y a pas eu de cadeau. Et si c'était un cadeau et qu'il y avait eu véritablement alternance, on serait là à se tirailler comme ça. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. C'est encore peut-être pire. Nous passons maintenant tout le temps à nous livrer à la bataille politique et nous ne nous occupons pas du social et de l'économie. Regardez la situation de notre population. Regardez la gratuité, où elle va? Où elle va, la gratuité? Elle est en train d'échouer, vous le savez, que les enfants vont à l'école, mais que les enseignants n'enseignent pas, vous le savez. Tout ça pourquoi? Puisqu'il y a un individu qui a beaucoup accumulé, et c'est ça le vrai problème de Kabila et du FCC. Il y a un individu qui a beaucoup accumulé, avec des hommes autour de lui, quoi que vous fassiez, quoi que vous leur donniez comme garantie, tant qu'ils ne contrôlent pas les sphères du pouvoir, ils ne seront jamais en sécurité, ils se sentiront jamais en paix. Voilà le vrai problème du Congo. Kabila s'est dit, si je ne le contrôle pas, même la loi portant statut là, elle peut être balayée telle qu'elle a été votée. C'est ça le problème. C'est ça que nous devons tous avoir à l'esprit, à commencer par Martin Fayoulou. Il y a un individu qui est accumulé. Vous connaissez les biens de Kabila? Vous pouvez, vous, les inventorier? Albert Yuma? Combien de parts de la GKM vendues et des centaines, des dizaines de millions de dollars embarqués à bord d'un jet privé et logés dans des comptes offshore en île Maurice? Vous le savez, c'est combien de millions de dollars? Et cet homme-là, vous pensez de sécuriser avec quoi? Avec rien. Il pense se sécuriser en contrôlant le pouvoir. C'est ça le vrai problème.
Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Que rien ne rassurera Kabila si ce n'est que le contrôle du pouvoir par lui-même et pour lui-même. Alors, devons-nous nous laisser faire, nous laisser faire et croiser le bras et applaudir, dire il nous a fait cadeau? C'est ça les grands problèmes. C'est ça les drames. Ce qui est bon au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à lézarder son camp, à le fissurer. Parce que vous savez les pièges, c'est que Kabila ne savait pas. Dans ce genre de pouvoir, il y a plusieurs cercles concentriques. Vous avez le cercle du chef et des proches qui en sortent millionnaires, milliardaires. Vous avez le deuxième cercle, les ministres mandataires, 5 millions, compte en banque, une parcelle à ma campagne, mais pas très riche. Vous avez le troisième cercle, de ceux qui pensent que c'est notre pouvoir, qui ont 5 000 $ sur chaque coup, 2 000, qui rêvent un peu, qui pensent qu'un jour ils vont passer dans le deuxième cercle. Et vous avez l'autre cercle, de certains autres qui sont là, qui disent notre tour viendra dans ce pouvoir. Et puis un jour, le pouvoir s'écroule. Et finalement, tous les autres cercles concentriques se rendent compte que, en fait, nous étions les donneurs de la face. Ceux qui ont véritablement profité du pouvoir, c'est le premier cercle, les chefs et son premier entourage. Et c'est ce qui est en train de se faire, se passer. Au FCC, les uns et les autres sont en train de comprendre qu'en fait, en réalité, les fameux suicides collectifs que Kabila avait dû prévenir en disant que je ne vous conduirai pas à ces suicides collectifs, il est en train de s'opérer. Il a commencé ses suicides collectifs. Ce n'était pas encore le sauve-coupé général, mais la bâtisse s'est lézardée. Mike Mokebari Kosso. Et il reste une chose à Néhémie Mouliani. C'est un jour de compter les rangs, de dire un, et puis de deux, il tombe sur un vide. Et de trois. Mike Mokebari Kosso, merci d'être venu nous voir. L'émission est terminée. Merci à moi d'être là. La messe sur le plan, on vous dit très sincèrement merci. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que notre invité ce soir, c'était monsieur Mike Mokebari Kosso, député provincial élu de Lingwala ici à Kinshasa. Avec lui, on a donc fait le tour de l'actualité politique de la semaine. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine.